Bonjour, je m'appelle Zaya Itiaya. J'ai effectué une VAE pour une ADEA en tant qu'assistante de dirigeant d'entreprise artisanale à la Chambre des métiers du Rhône. Donc j'avais ce projet pour devenir en fait collaboratrice de chef d'entreprise artisanale ou de gérer une structure. Bonjour, je me présente, Jonathan Tarlier, je travaille pour la société Café Richard, maison de torréfaction française. Je suis commercial maintenant depuis 4 ans chez eux et j'avais comme projet d'évoluer au sein de l'entreprise et c'est pour ça que je suis parti sur une VAE responsable et développement commercial. Alors ma VAE s'est très bien passée puisque j'ai eu les félicitations du jury. Le jury est composé de professionnels ainsi que de personnes de la formation. Donc il y a deux livrets à réaliser, le livret de recevabilité et le livret des acquis de l'expérience. Donc j'ai été encadrée par une personne de la Chambre des métiers. La difficulté en fait c'est de ne pas se disperser dans son parcours, de bien respecter le référentiel. Et par contre, cette VAE demande beaucoup d'investissement personnel puisque c'est sur une durée d'une année. Du coup, ça demande pas mal de travail chez soi. Pour moi, après plusieurs recherches, j'ai décidé de partir avec la Chambre des commerces et donc de faire une VAE pour différents points, notamment le fait d'être accompagné par un accompagnateur, d'être suivi tout au long du parcours, du début à la fin. Tout se passe très bien en ce qui me concerne, ça fait depuis 3-4 mois, donc je suis en plein dedans. Et voilà, impatient de pouvoir passer devant le jury et essayer de l'obtenir le plus rapidement possible. Alors la VAE m'a apporté beaucoup de confiance en moi, de me positionner dans mon secteur d'activité, parce qu'à la base j'avais commencé une formation en tant qu'assistante commerciale. Je m'étais orientée ensuite dans l'esthétique et je suis revenue à mon métier de base, car je m'étais rendu compte que c'était vraiment mon métier. Donc ça m'a permis également de connaître ma valeur par rapport au marché actuel et de bien réussir dans mon projet d'avenir. Pour moi, la VAE, en fait, ça m'a permis d'apporter une valeur ajoutée auprès de ma direction, d'apporter également une certaine crédibilité auprès de mes collègues afin de pouvoir postuler pour un poste supérieur pour les mois ou les années à venir dans l'entreprise. Alors, je conseillerais aux personnes qui souhaitent valoriser leurs compétences de s'inscrire justement dans une démarche de VAE. Donc, ça pourra leur permettre d'obtenir un diplôme, surtout que maintenant, il suffit d'une année pour valider une VAE. Ah, je rejoins complètement Zaya. Je conseille vraiment la VAE pour toute personne ayant un projet professionnel. J'en suis vraiment très content.